Oui, donc salut à tous, c'est Chifro. Donc cette fois, je vais, on va faire le donjon Fort Verdure. C'est un petit donjon sympa, enfin. Je fais un clin d'œil à MR2019 et à Xena la Guerrière. Donc, je dirais que bon, alors. Dans ce donjon, il y a quelque chose qui m'a plu dès le début du jeu, puisque ça c'est dans les premiers donjons. C'est tout simplement de voir, bien sûr, les couleurs, évidemment. Ça j'ai kiffé. Mais c'est aussi que ce donjon, il fait penser un peu comme ceux de l'époque, vous savez, on voyait le sol en pierre, on voyait comme là, les aigles sur le côté. Mais. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il ne soit pas super bien fait. Enfin, au niveau des graphismes, c'est le jeu qui est comme ça. Mais regardez les détails. Bon, déjà, il y a les ennemis. Faut voir. Bon, à mon niveau, ok, ils ne sont pas durs, c'est vrai. Mais il faut dire ce qui est, c'est que. Mais quand vous avez des niveaux 15, comme les deux qui me suivent, qui participent au donjon, ben forcément, c'est vraiment pas du tout évident. Alors quand je leur ai proposé qu'on allait se faire une petite vidéo, ben, ça leur a fait plaisir. Et en même temps, je pense que ça a dû leur valider leur quête. Hein. Donc forcément, ça les a aidés. Hein. Mais je leur passe le bonjour parce qu'ils ont bien bien participé. Parce que je leur avais dit que ce que je voulais, c'était attaquer en premier, non pas pour passer pour la star du donjon, mais simplement parce que quand j'attaque en premier, je prends le groupe. Donc ça ne les attaque pas à eux. Mais bon. Comme a dit Xena derrière, ça met plus d'étincelles là-dedans et ça peut être plus intéressant. Hein. Voilà, donc ce donjon va être vite fait, oui, évidemment, puisqu'il n'est pas très très dur pour mon level. Mais alors, regardez bien les décos, enfin les décos, oui, les décors, tous ces petits décors. Regardez les drapeaux. La grosse porte grise au fond. Mourut ma love. Et non, je n'ai pas Mumble. Par contre, j'ai Skype. Quand je dis que j'ai Skype, j'ai l'impression que je suis à la préhistoire. La guerrière qui attaque là. Ah, da, 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 da. Voilà, là c'est bon. Donc on avance. Allez. Alors le soldat des gangs des aigles, il n'est pas du tout évident. Parce qu'il est un peu plus résistant. Je pense qu'il doit avoir un peu plus de défense et un peu plus de vie que les autres. Que les autres mobs, évidemment. Mais bon, à 3. Ça passe tranquille, mais vraiment tranquille, une promenade touristique, comme dirait mon chef. Et voilà, donc c'est ce que je disais. Il faut que j'attende en premier. Mais non, ben non, ils sont motivés pour participer à l'attaque. Bon, ben pourquoi pas, hein. Après tout, hein. Et finalement, la petite star là-dedans, c'est Xena la guerrière. Marvel 19, bon, ben il se démerde très bien aussi. Non, il n'y a pas à dire. Hein. Oui, Shuriman. Eh oui, quand tu finiras Fort Rêve avec Yoshi, ça te permettra de faire ta vidéo. Mais les gars, j'aimerais en faire tout plein de vidéos. Et je vais pas faire que celle-là d'ailleurs. D'ailleurs, après, il y aura Rêve de Malice. Attends, non, mais il n'est pas du tout évident. Rêve du maire, pardon. Oh là là. Rêve du maire. Dans l'autre vidéo, je vais mettre Rêve du maire. Rêve du maire aussi, il y a pas mal de trucs. Hein. Alors, que ce soit les soldats de gang des aigles, eux, ils sont durs. Mais par contre, tout le reste, hormis les boss, ça va. Ils ont de la défense, mais ça se bat. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de spécial. Alors, regardez, c'est allé.
Alors vous avez déjà, moi ce que j'aime c'est les cristaux qui sont sur, enfin les cristaux ou les flammes, ou, je ne sais pas trop quoi, mais sur les chandeliers, c'est pas moi, moi j'aime bien. Et ensuite regardez, il y a les 10 socles, à la limite j'aimerais bien avoir ça dans ma chambre. Un socle comme ça avec un aigle. Bah, ça peut être sympa, hein, c'est beau. Eh oui, laissez-moi attaquer en premier, comme ça aucun môme ne vous emmerde. Mais c'est normal, Xena. C'est normal, Xena, guerrière. Tu peux pas XP du moment qu'il y a trop level pour avec toi. Ou avec vous. Mais c'est rien, Merven 19, c'est normal qu'il n'y ait pas d'XP. Moi, quand j'appelle mon chef d'Agit ou j'appelle d'autres très hauts level, quand je suis rien, Christ ou autre, mais je peux vous assurer que j'ai pas de XP. Mais par contre, les donjons sont vite faits en, allez, une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Non, moi, ma quête, elle est vidée, elle est. Au moins, j'ai ma quête, elle est validée, j'ai des armes, pas d'XP. Mais l'XP. Je vais vous dire à vous deux, l'XP il faut le faire déjà en faisant des quêtes simples en dehors des donjons. Ou alors si vous voulez XP bien, mais là en ce moment là vous allez galérer. C'est en faisant les quêtes de donjons comme on fait, mais sauf qu'il vous faut un troisième niveau 15. Mais attention à la galère. Vous devez vous en douter. Marvin 19, après il faut mettre les piments rouges dans ta vidéo, sinon c'est pas drôle. Ah, pour ça tu as pas tort. Donc là c'est le boss quad. Alors, bon ben il a l'air facile puisque je suis en gros level. Et puis on est 3, mais croyez-moi que quand vous êtes dans le niveau 15-16, ben, vous galérez bien. Même le niveau 20, vous galérez pour le faire. Si, j'ai toujours besoin de faire rêve pour ma vidéo. Mais attends, on a presque fini. Alors, pardon. Oui, les boss sont un peu radins des fois. Regardez-moi ça. Alors là, on arrive à la première grande salle où il y a tout plein de boss. Enfin, de boss, par contre, de mob. À l'avant-dernière salle, d'ailleurs. Alors, regardez un petit peu. Bon, là, je m'éclate, mais en niveau 15, on n'a aucune chance de faire ça. Hein. Moi, je m'éclate à faire ça. Bon, regardez. Boum. Boum. 3, 2, 1. Mouru. Mouru, mouru. Et voilà. Ciao. Au revoir, tout le monde. Ouais. Il y a aussi un petit problème, c'est que si vous voyez des ralentis, c'est normal, c'est parce qu'en fait ça a lagué un peu. Et je l'ai mis quand même parce que sinon il fallait le refaire. Franchement, j'avais pas envie de refaire le fort vert. Regardez un petit peu. Et aussi parce que MRV19 et Xena la guerrière, c'est Dieu à qui j'avais proposé si vous voulez faire une vidéo. Donc si je faisais la vidéo tout seul, ça aurait pas été sympa. Je leur ai promis, donc voilà. Même si ça lag un peu, elle est là. Exela toujours en avant, bien sûr. C'est là. Chasseur. Hein. Et elle attaque. Ouais, c'est le moment où j'aime bien changer de classe. Guerrier. Voilà. Donc, c'est. Je vais prendre l'arbre, c'est mieux. Ah, donc je vais prendre ouais ça voilà et un boubou voilà donc, attention c'est parti alors Ketak c'est celui qui vous donne un il vous donne un trophée
Ouais, d'ailleurs, je crois qu'il n'y est pas là. Hein. Non, 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 mais non. Bon, je sais pas. Quel dommage. En fait, celui-là, de temps en temps, je sais pas ce qu'il faut comme condition, j'ai jamais su, mais bon, moi, une fois, je l'avais eu, c'est le trophée. En fait, le trophée, c'est. Il vous sert dans les petits niveaux, mais après, ça risque de compliquer les choses. Bah, simplement pourquoi? Parce que au moment où vous allez attaquer, au moment où vous allez mettre le trophée sur votre personnage, ce trophée en fait il vous donne une petite protection, mais c'est surtout que il sort un espèce d'orque, un guerrier. Et ce guerrier, bah, il attaque en même temps que vous. Ouais, bah, je peux vous assurer que dans les gros donjons, genre rêve du maire, tout ça. C'est pas conseillé, non, 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 c'est pas conseillé parce qu'en fait, ce petit guerrier qui sort, qui est de tout petit niveau et qui se fait démonter très vite, en fait, il va chercher la merde tout seul, c'est ça le problème. Ouais, quand je dis chercher la merde, ça veut dire qu'il va affronter les boss tout seul. Ce qui fait que, genre, vous êtes assis en train de prendre du mana, faire une pause mana, et eh ben ça y est, il va attaquer. Donc, ce qui fait que des fois, vous faites démonter pour rien, mais vraiment pour rien. Non, je vais pas la mettre aujourd'hui. Enfin, si, bon, enfin, bref. Voilà. Et oui, merci à vous. Merci encore. À plus. Oui, enfin, à plus pour d'autres vidéos, pour d'autres donjons, si vous en avez besoin. Eh ben. Donc, ben ouais, c'est la fin. Eh ouais. Bon, ben, je vous dis tout plein de gros bisous, tout plein de gros câlins. Non, non, ça il faut peut-être pas le dire. Enfin, c'est pas grave. Bon, ben, je vous dis ciao, à la prochaine et pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Et. Ah ouais, s'il y a moyen, mettez un pouce vert. Ouais. Non, parce que il y a les vues, mais par contre, on voit jamais des pouces. Alors, il n'y a jamais des mauvais ou des bons, hein. Mais tant qu'à faire, s'il y a les moyens d'avoir des. Quelques verres ou quoi. Et ce qui m'intéresserait surtout, c'est que vous mettiez. Je serais vraiment intéressé, je serais vraiment curieux de lire vos avis. Donc mettez des commentaires pour voir un peu ce que vous pensez des montages, tout ça. Donc je vous dis à plus. Et à bientôt. C'était Chifro. Bye.